Salut, c'est Big Angs pour MCE. Biga, aka Telly, je suis un chanteur, producteur, producer. Je fais de la musique reggae, vaporwave. Voilà. C'est un festival cool, quoi. Ça permet de. Je sais pas ce qu'il représente pour moi. Je sais pas s'il représente quelque chose pour moi, comme ça, directement. Enfin, ce que j'en ai vécu là ce soir, c'était vraiment chouette et c'était un pur moment et c'était une pure ambiance. Et en fait, je l'ai un peu découvert aujourd'hui parce que je suis pas forcément parisien et je m'y suis pas rendu avant. Et j'ai vu qu'il y avait des concerts dans toute la rue et ça, j'ai trouvé vraiment ça super chouette. Donc ça représente un bon festival. Bah avec plein d'artistes, je sais pas moi, Young Earn, King Krul, des artistes comme ça. J'écoute des trucs assez barrés en ce moment, j'ai plein de références musicales, j'ai des références reggae, j'ai des références hip-hop. Voilà, j'aime bien Blank Banshee, j'aime bien Young Lean, j'aime bien tous ces artistes-là quoi. Et j'essaie de mélanger mon influence reggae, qui est mon influence initiale, à tout ce nouveau mouvement. Bah, c'est un album que j'ai réalisé chez moi, dans ma salle de bain, sur mon petit OP1, qui est un petit clavier où tu peux brancher un micro et t'enregistrer. C'est un petit enregistreur 4 pistes avec un synthé, une boîte à rythme. Donc j'ai tout réalisé là-dessus. J'ai fait des collaborations avec Blundetto, qui est un groupe de reggae, enfin, ouais, un groupe de reggae que j'aime beaucoup, qui est un reggae très classe et tout. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un album de producer plus qu'un album d'acteur vocal. Et j'en suis très fier. Qu'est-ce que j'écoute en boucle? C'est une bonne. Elle est dure cette question. Si, j'aime bien une rappeuse qui s'appelle Taa, qui a sorti un titre qui s'appelle Lil Beat, et ça franchement j'écoute ça en boucle. Amusez-vous, détendez-vous, one love.